Voilà, monsieur, bonsoir, yon plaisir, l'autre fois encore pour ensemble pour nous présenter yon programme dans langue créole haïtien. Jodi a c'est vendredi 17 mai 2024, yon plaisir pour nous présenter au quelques grands points cap dominé actualité. Moi c'est Jacques Labellisère. Présentant secrétaire général l'ONU et chef BINU, madame Maria Isabel Salvador. Élection présidentielle et législative en République dominicaine, président Luis Abinadel, parti favori pour remporter un deuxième mandat d'après sondage sous intention de vote. Et puis, actualité internationale, guerre Israël-Hamas, assistance commencée à entrer dans Gaza grâce à un pont humanitaire les États-Unis construit. Et puis, président russe Vladimir Poutine mettait fin vendredi ça dans une visite deux jours dans le pays la Chine côté lui-même avec président chinois Xi Jinping signé plusieurs accords sur relations stratégiques. Et oui, c'est pour ça, yo, avec l'autre encore, nous allons développer pour vous. Dans un petit moment, merci d'être branché. Et je dis, c'est vendredi, déjà, nous souhaitons nous passer un bon week-end. Actualité a mené nous d'abord dans le pays d'Haïti, côté que Conseil présidentiel transition, les rencontrer avec représentant, secrétaire général Nations Unies et président BINU, n'a parlé de Maria Isabel Salvador, qui t'est parlé avec Conseil présidentiel transition, Yves-Manuel Abdino Plus. C'est Conseil présidentiel transition qui invite représentant spécial secrétaire général des Nations Unies pour participer dans réunion travail ça concernant résolution 2699 Conseil sécurité qui autorise mission multinationale sécurité. Pendant rencontre ça, selon une publication qui fait bon côté BINU, représentant spécial là réaffirmé engagement BINU dans mise en œuvre mandat en appui à autorité nationale yo. Maria Isabel Salvador, de l'autre côté, réitéré appel secrétaire général là pour renforcer participation mesdames yo ak jeune yo dans processus politique là. Rencontre ça vini dans un contexte qui marqué par une instabilité qui pas suspend grandi cansol dans pays an. Résolution Conseil sécurité 1 qui était voté visait répondre à défi sécurité qui continuait à perturber la vie citoyen yo qui vient aggraver ak une crise politique, économique et puis humanitaire. MMS LAN qui créé par résolution gain pour mission principale renforcer capacité force sécurité nationale yo dans l'idée pour stabiliser situation et créer un environnement qui propice à élection démocratique et puis reconstruction nationale là. Dans un communiqué qui publié dans mitan semaine là, même conseil présidentiel yo déclaré dans un temps qui pas trop loin, bandi yo a gain pour suspendre faire régner loi yo sous résidence, quartier, ville à tout pays an. Selon dernière information yo, premier troupe kenyan yo doit arriver dans pays d'Haïti d'ici fin mois ça. Moi c'est Yves Manuel depuis Port-au-Prince pour VOA Créole. Et puis toujours dans le chapitre politique là, jeudi vendredi 17 mai 2024 là, c'est à jour pour mettre fin à un processus pour dépôt pièce pour Kavin premier ministre dans pays d'Haïti. Nous gain sous place dans Port-au-Prince Massado Vilme. Jeudi vendredi 17 mai 2024 là, c'est dernier jour inscription pour poste premier ministre pour voie transition. Pendant toute journée hein, rentrée sortie t'a fait dans villa d'accueil, ça qui fait liste non monde qui déposer candidature pour poste là dépassé 80 monde. Et puis fond nos personnalités, c'est ancien ministre, député et sénateur. Nous devons dire ancien ministre Gérald Germain avec Marie-Denise Claude, coordonnateur général parti politique Uni Clarence Grenois, c'est quelques noms monde qui ajouté sous liste inscription pour venir chef gouvernement conseil présidentiel transition. Cependant, à cause phénomène gangsterisation dans pays a, fête drapeau haïtien pour une fois encore pas fêté dans ville Akaye. Ça nous apprend dans une publication bureau communication présidentielle la fait pour faire connaître c'est dans villa d'accueil 221e anniversaire bicolore haïtien à célébrer année ça en baptême. En rassemblez nous en bas drapeau nous. Depuis Port-au-Prince, moi c'est Massado Vilme pour VOA Créole. Pendant ce temps, eh ben, gen gang armé qui continue à simer la terre, dans le moment qu'il y a parlé de arrivée de troupes et Kenya yo, dans le pays d'Haïti. Nous gagnons sur place dans Port-au-Prince, ou dans tout ça. Dans le moment date 23 mai 2024, l'an approché pour arriver mission multinationale soutien à sécurité en Haïti, n'est armé pas suspendre mener attaque contre habitants certaines zones, dans la capitale là, Port-au-Prince. Plus précisément, quartier Solino ak Fond National, pendant que Conseil présidentiel transition a marqué pas en place presque un mois après investiture dans tête pays d'Haïti. Depuis commencement c'est maintenant pour arriver côté n'a parlé là, nek armé yo qui continuer à bataille pour territoire
mettait du feu dans plusieurs dizaines de maisons avec véhicules. Plusieurs centaines de résidents obligés de courir quitter Caillou à prendre refuge l'autre côté pour yo pas victime un bafireur à tout faire yo. Youn nan branche syndicale à Boulislan, SPNH 17, critiqué au commandement institution, l'idée qui pas intervenu à temps pour sécuriser Fort National, zone qui abritait base brigade opération et intervention départementale Boyd. Rivrio rapportait que bandit fait attaque tout sous plusieurs bâtiments dans la cité administrative en bas la villa, tant que ministère intérieur et collectivité territoriale, coup de compte pour ne citer ça seulement. Beaucoup de parle, autorité policière annoncé, yo prend toute disposition pour rétablir l'ordre et sécurité sous toute étendue territoire national. Renan Toussaint, pour VOA Creole, Port-au-Prince. Merci Renan Toussaint, dossier Haïti a été dans l'ONU jeudi à côté que il fait partie de un briefing qui fait chaque jour donc non Haïti avec situation humanitaire à été présent pendant que au Tchad lui-même en parlant du bureau et coordination affaires humanitaires Nations Unies et ben lui-même lui publié dans tête collée avec Patnelio un rapport sur situation humanitaire dans capitale la Port-au-Prince sorti et 9 privé 16 mai 2024 en a le rapport ça à Pibré. D'abord, rapport a signalé attaque violente dans la commune Gressier dans la date 10 mai passé, ça qui a causé environ 4400 personnes qui ont quitté la zone. Quand c'était monde qui victime d'exact violence, qui basé sur 6 personnes, garçons ou femmes, multiplié par 5 entre deux premiers mois année, plus mois mars, là, côté, il passé de 250 à 1543. Violence sexuelle, yo, représentait 75% incidents qui enregistrés, yo. Toujours d'après rapport OCHA, Programme Alimentaire Mondial PAM, après 2 mois blocage pour raison sécurité, reprend activité depuis semaine qui s'est passée là, avec distribution produits alimentaires dans la Cité Soleil pour environ 95 000 moun. 80% dans 90 254 moun qui s'est déplacé en dans région recevoir en permanence de l'eau potable. T'as qu'au porte-parole Nations Unies, Fahrenhack, t'es dit dans briefing qui était fait mercredi qui s'est passé là, dans local organisation mondiale là, dans New York, PAM gagné pour sortir dans distribution plat chaud, pour le passer dans fait distribution l'argent cash, by 95 000 moun semaine qu'a vin là. Document mentionné encore, avec vague violence gang armée depuis 29 février année ça, gagné plusieurs milliers de monde qui perdu la vie, qui blessé ou obligé de quitter caillou pour pas victime. Dans date 15 mai ça, gagné une équipe OCHA qui réalisait une mission observation dans Solino, qui accueille actuellement là plus passé 900 déplacés. OCHA conclut, besoin y en pire. Devant limite ça, OCHA lancé un appel à la communauté internationale pour augmenter assistance la by ONG qui travaille en Haïti, surtout dans zone côté insécurité plus touchée. Et dans le chapitre finance là, rapport noté, juste journée jeudi, c'est seulement 17% dans plan réponse humanitaire qui joint financement. Sous 674 millions de dollars au besoin pour aider plus passer 3 600 000 monde en Haïti, c'est seulement 11 millions qui ont réussi à joindre. On finit ramasser ça sous rapport OCHA avec un coup d'œil sous chapitre santé à côté au mentionné sorti 9 privé 14 mai 434 déplacés internes parmi eux 241 femmes à 74 timoun recevoir consultation médicale grâce à 3 cliniques mobiles en bas l'obédience direction santé l'Ouest DSO avec soutien organisation panaméricaine de la santé organisation mondiale de la santé OPS OMS qui lui-même offrit by 5 établissements qui dans le domaine de la santé médicaments équipements et l'autre produit encore. Concernant la profamille dit, yo fourni soin by 154 femmes à travers clinique mobile dans la région Croix-des-Bouquets et activité ça a continué dans l'autre zone encore côté santé ya limité. Qui donc d'après rapport OCHA avec l'autre document qui soutient dans l'organisation internationale, en pile analyse avec observateur pensé, Haïti continue à vivre une crise humanitaire urgente et sans pareil qui exigeait un marché pressé ni bon côté acteur politique yo dans le pays d'Haïti ni bon côté communauté internationale. Ma vive là par la parole de Dieu, me couche à terre dans ciment chaque soir. Actualité a mené nous connaître dans le département Nord, à côté que ancien sénateur et leader Petit Dessalines Moïse Jean-Charles retourne dans Nord et lui dit que lui promet que le pral fait négociation pour la paix pour payer sans pas utiliser les armes. On a rejoint Gérard Maxineau.
Yote en foule, partisan et sympathisant, petit de Saline dans ville au Cap, qui devine accueilli les deux partis ça, ancien sénateur Moïse Jean-Charles, dans l'aéroport Cap-Haïtien, après un bout de temps il est passé dans la capitale pays. Moïse Jean-Charles est sorti l'aéroport là pour arriver sous place Notre-Dame là, ensemble avec partisan et sympathisant qui t'a acclamé. Dans le rassemblement sous place Notre-Dame là, Moïse Jean-Charles expliquait raison qui fait l'idée accepter participer dans le conseil présidentiel là. Nous devons continuer à faire manifestation. Mais regardez, si on fait manifestation toujours, nous avons un an, deux ans, nous avons fait une solution. Eh bien, nous avons en condition, nous faisons tout pour faire une solution plus facile pour retirer le pays dans ce sens-là aujourd'hui. Et de l'autre côté, Moïse Jean-Charles déclaré dans un titre encore, libre à négocier la paix dans le pays. Mais ce n'est pas examen. L'autre semaine, on parle de moi, faut que nous sécurité a commencé dans votre presse. Sécurité a comment? Premier de ma sécurité, c'est pas avec tout ça, mon papa. Et pas tout ça, mon papa. Moïse Jean-Charles. Quelle capacité pour diriger pour la paix dans le pays. Je ne suis pas mon gouvernement, mais je vais contribuer à participation à le conseil du président, présidentiellement, à le gouvernement pour donner la paix. Et si négocier pas la paix, laisse ça, nous allons utiliser la force. Mais en attendant, première semaine, premier maillot, on cherche la paix. La paix pour sécurité, attractivité sociale, éducationnelle, sportive, dans le ghetto. Mais, première démarche, partie au commencement. L'idée petite de Saline, Moïse Jean-Charles, promet pour le prendre pouvoir dans l'élection qui, selon lui, pourra l'organiser dans le pays en 2026. Gérard Maxino, Cap-Haïtien, pour la Voix d'Amérique. Donc c'était nouvelle concernant pays d'Haïti, actualité internationale là dans un petit moment. Merci d'être toujours branché VOA Creole alors que nous avons présenté la dernière édition pour ce maintenant. Actualité à mener nous connaît en République Dominicaine, côté électeur pour LGT Bulletin pour un président avec pouvoir législatif là. D'après sondage, Luis Abinadel, parti favori pour un deuxième mandat. Jean-Robert Philippe Gadetaille. Électeurs dominicains ont acheté bulletin dimanche 19 mai 2024 là pour élire un président, chambre députée au complet avec Sénat. Attention, concentré plus sur l'élection présidentielle là qui a 8 candidats, mais d'après sondage, c'est 3 candidats qui n'ont tête intention de vote. Président sortant, Luis Abinadel, qui a cherché un autre mandat, c'est candidat parti révolutionnaire moderne, limité sous réalisation, l'y fait pendant 4 dernières années, tant que remembrer l'économie pays, surtout dans le domaine touristique, et des systèmes sanitaires que COVID-19 a été affecté sérieusement, et puis gérer frontières pays à partager avec Haïti. Sous question Haïti, l'idée dominicaine a été fermé toutes frontières entre deux pays, déporté plusieurs dizaines de milliers haïtiens qui vivent dans le pays, sans document légal. Et puis, action qui te joint en pile critique sous plan international, mais pas vraiment sous plan local. Monsieur Abinadel mandé électeurs yon l'autre mandat pour finir construction Mirail la construit entre Haïti avec République Dominicaine pour contrôler flot immigrant qui a sorti la caille voisin et puis mettre fin tout dans corruption avec impunité. Sous possibilité pour République Dominicaine d'établir camp pour réfugiés haïtiens, eh bien l'idée dominicaine dit par sa pièce. Nous pas jamais accepter camp réfugiés dans pays. Pas gagner sa pièce, moins pas quoi Nations Unies a fait une demande comme ça, moins pas quoi y a fait. Entre-temps, le président sortant a annoncé frontières terrestres, maritimes avec aérien, pays a fermé depuis vendredi 17 mai pour élection. Pour année 2023, République Dominicaine accueille 10 800 000 touristes et taux
de croissance pays pour année 2024 là capable d'arriver jusqu'à 5% d'après Banque mondiale. Un autre candidat qui est dans la course là, c'est l'ancien président Leonel Fernandez qui passait 3 mandats sous pouvoir, 1996, 2004 à 2012. Candidat parti pouvoir peuple là, que lui fondé, dit lui contre amendement constitution. Hay quienes se han atrevido desde fuera. Quelqu'un pays a osé amender la constitution pour créer un système pour permettre étrangers venir citoyens dominicains que nous parlons. Ancien président, c'est capable de candidat qui a plus d'expérience parmi l'autre candidat dans ce là. Sondage Research Horizon Fair montre Luis Abinader en tête intention de voiture avec 48,9% devant Leonel Fernandez qui gagne 32% et puis en troisième position, le jeune Maïssa Ville Santiago de los Caballeros Abel Martinez. Quand il a parti Libération Dominicaine, mettez un message devant l'électeur pour dire représentons l'espérance. Nous représentons espoir. Nous représentons engagement. Moi-même prends devant nous-mêmes avec peuple dominicain. Martinez, un avocat et un enseignant, passé 3 mandats, l'un de l'autre, comme député dans le Congrès dominicain, et 2 mandats, comme Maïssa Ville Santiago de los Caballeros. D'après règlement, yo, si aucun des candidats n'a pas remporté 50% plus 1 dans l'élection dimanche 19 mai, eh bien, pas gagner un deuxième tour avec 2 premiers candidats, yo, 30 juin qui venir là. Jean-Bert Philippe, VOA Creole, Washington. Merci Jean-Robert Philippe. Actualité à mener nous connaissons dans New York. Jeudi a été pas gagné et débat, pas gagné quelle activité dans le cadre procès historique. Ancien président républicain Donald Trump, mais hier ça a été chauffé entre Cohen, Michael Cohen, qui c'est ancien avocat et président, ancien président Donald Trump, avec avocat ancien détail depuis New York. Avocat Donald Trump a accusé Michael Cohen que la baye jury a menti dans témoignage bayo devant la justice dans le tribunal à Manhattan, New York, hier jeudi 16 mai. Il a décrit M. Cohen comme un monde qui était proche et qui tape travail pour l'ancien président, mais qui était venu tourner un ennemi, qui a inventé une série de gros menti et qui a voulu ouais candidat présidentiel républicain en prison. Avocat défense Todd Blanche a mis pression sur Michael Cohen pendant plusieurs heures de temps avec questions qui étaient concentrées en majorité sur mauvais actes et accusations liées fait dans le cas qui impliquait ancien président. Maître Blanche est obligé de lever voix. L'élite a interrogé Michael Cohen sur dossier téléphone avec message texte, côté que Michael Cohen a dit que l'élite parlait dans le téléphone avec Donald Trump sous paiement l'argent pour acheter silence actrice film porno à Stormy Daniels quelques jours avant que le fait transfert $130,000 voué by avocat Mamzel. Maître Blanche a dit que c'était menti. Il t'est confronté Michael Cohen. Moment t'es venu chauffer en pile en dedans tribunal là pendant 2 jours interrogation défense là, qui t'a essayé de démontrer que Michael Cohen, c'est un monde qui habitué by en pile menti déjà. L'été un ami loyal Donald Trump, qui t'est venu tourner une nan pi gros l'ennemi. Un opportuniste tout qui t'est obsédé, il t'est venu raïssable parce que média ont été viré sous ancien président, et lui-même, il t'est refusé bal un job dans Maison Blanche là. Bon, côté pas prosecutor, il t'a essayé empêcher avocat défense là attaquer Michael Cohen, pendant que avocat Donald Trump, il t'est arrivé faire reconnaître dans parmi plusieurs autres crimes qu'il commet dans le passé, gagne une la donne que l'été plaidé coupable bouli, côté que l'été bail menti devant Congrès sous travail, il fait, dans un contrat bien immobilier que Donald Trump t'a fait, dans il a réussi. Michael Cohen a témoigné tout et dit que oui, il était bail menti sous serment, l'elle était plaidé coupable de accusation fédérale qui gagne la donne fraude fiscale, fraude taxe dans l'année 2018. Yo. Avocat Donald Trump a posé plusieurs fois question sous histoire criminelle ak menti il était bail dans le passé déjà. Michael Cohen a témoigné que il était payé vedette film porno Stormy Daniels et que Donald Trump a remboursé avec l'argent imbattable dans fait magouille dans document dépenses légales yo. Et justement, il a accusé Donald Trump parce qu'il a falsifié dossier business yo pour cacher documents paiement ça yo. Avocat district Manhattan a dit que Donald Trump t'a voulu effacer une histoire tête chargée qui t'a menacé campagne 2016 lia pour Maison Blanche là. Donald Trump t'a plaidé non coupable et il démenti causé ça yo. Et il dit poursuite judiciaire ça a motivé politiquement une façon pour écraser campagne présidentielle li année ça. Jeudi à vendredi 17 mai, pas de tribunal. Et Donald Trump profite aller dans la graduation dans l'école secondaire, petit garçon li Barron Trump.
Cotège ancien président Donald Trump l'an rivé pour graduation l'école secondaire Barron Trump dans Oxbridge Academy dans West Palm Beach dans Floride. Barron Trump qui gagne seulement 18 ans, gagne en fait premier pas politique li comme un délégué dans convention parti républicain en juillet qu'a vinn là après que parti républicain dans l'état Floride té nommé li comme un délégué dans commencement mois de mai. Pour VOA Creole, Valerio Saint-Louis, New York. Merci Valerio Saint-Louis. Président russe Vladimir Poutine a mette fin plutôt dans yon visite de deux jours que l'a fait dans le pays la Chine, côté que l'a signé accord avec le président chinois Xi Jinping. Marie-Louise Pierre, quel détail. Pendant une réunion qui était déroulée entre Poutine et le président chinois Xi Jinping, président russe l'a dit Moscou voulait travailler avec Pékin et avec l'autre pays mondial sud dans la direction du mode multipolaire, pendant que Xi dit deux pays engagés dans diriger gouvernance mondiale dans la bonne direction. Il y a quelques analystes qui disent Poutine et Xi a essayé de mettre accent sur partenariat serré Pékin avec Moscou. C'est une force pour bien dans le système mondial là. Tous deux leaders voulaient mettre accent sur le fait que y a créé un environnement mondial qui pille égal et puis inclusif mondial économiquement avec système politique là. D'après Philippe Ivanov, un analyste de la Chine, la Russie, avec fondateur consultation risque géologique avec pratique et stratégie. Il y a quelques experts qui disent Poutine et Xi considèrent présence militaire agrandie Washington avec organisation traité Atlantique Noah dans la province l'Asie comme une jouette somme zéro. Mathieu Duchatel, directeur sciences internationales dans le groupe politique français Institut Montaigne, te dit logique balance militaire très centrale dans l'opinion sous l'ordre international là, Axibio c'est réseau alliance militaire États-Unis. Il était dit la voix de l'Amérique que un objectif Xi à Poutine pour défendre partenariat yo, c'est pour miner réseau alliance Washington dans province l'Asie. En plus des filles l'ordre mondial qui existait déjà que États-Unis était dirigé, Poutine et Xi étaient critiqué États-Unis à co-organisation traité Atlantique Noah pour être créé effet négatif sous la paix régionale à qui stabilité dans la région Indo-Pacifique là, leur créé groupement fermé et exclusif inclusif et puis élargir présence militaire. Dans le contexte géopolitique actuel là, il est nécessaire pour explorer établissement dans un système de sécurité durable dans l'espace eurasien qui est basé sous principe de sécurité égale et indivisible. C'est une déclaration conjointe Xi et Poutine tessien. Marie-Louise Pierre, VOA Créole. Nous parlons de la région Moyen-Orient et guerre Israël-Hamas et gagné un pont humanitaire que les États-Unis construit qui commençait par résultat côté que Gaza commençait à recevoir assistance et Serge François Michel. Earlier this morning, U.S. Central Command successfully anchored the temporary pier to the beach in Gaza. Camion qui portait aide, moun nan Gaza besoin en pile, roulé pour traverser yon raf flottant, et États-Unis fait bâti pour première fois jeudi vendredi. Mais comme ça, yon rentré dans Gaza qui en bas siège, pendant restriction Israël sous passage frontière, ensemble à gros bataille, fait les difficiles pour manger avec l'autre aide entrée sous territoire. Chargement, c'est premier qui entré dans opération dirigeant l'armée États-Unis, te prévoit attaquer à permettre jusqu'à 150 camions par jour entrer dans Gaza. Pendant Israël a mis pression pour pour y entrer dans la ville Rafah dans le site Gaza, dans le cadre offensif là qui l'a depuis 7 mois. The pier is temporary and not meant to replace land routes into Gaza. Mais États-Unis un groupe Kabay Edio avait dit tout que projet Rafah pas qu'à remplacer livraison aide sur route à terre côté où t'as capoté tout manger de l'eau à gaz mon dans Gaza besoin. En vente guerre c'est plus passé 500 camions par jour qui devront porter marchandises entrer dans Gaza. Serge François Michel, VOA Creole. N'a parlé de immigration, il y a une méthode que utiliser pour capable contrôler immigrants sous frontière États-Unis partagée avec Mexique. Gentil Augustin Junior, gain détail. Garde sous frontière Mexique avec États-Unis, lancer canister gaz lacrymogène qui gain poivre là-dedans sous immigrants qui tapent essayer traverser frontière Texas là. Llegamos acá y no le importa que tengamos niños. Nous t'est arrivé ici là et puis yo t'ai fait comme si yo pas trouvé nous gain ti moun. Yo attaqué nous, yo lancé canister gaz lacrymogène sous nous. Route ici là t'est difficile, nous t'est lité. Mais bagay qui plus difficile ici là, c'est que yo pas pral quitter nous réaliser rêve nous.
Nan komansman semen nan, tansyon an te wo nan fontyen nan Meksik la nan Ciudad Juárez, le yon goup imigran tap eseye krasi kloti gad nasyonal Texas la te bati pou empeshe yo proche bon fontyen ya. Mouvman imigran yo te atire gad ki tap fe patrouy nan zon nan, epi yo te komanse gaye yo pandan yo tap rele renfo. Kek minit apre, gad Texas yo te rive sou sen nan ak fizi ki gen kaniste gaz lakrimogen, epi yo te bay lòd pou imigran yo ale loin kloti ya. Tan pri, ban nou yon chans, nou se et imen, nou gen dwa pou ti moun yo, gen dwa ti moun, pou dwa internasyonal moun, pou yo ede nou. Nou pa la pou fe mal ou swa nenpòt lòt bagay. Nou jis vle avanse pou pi devan. Imigran yo te mande prezidant Etazini an Joe Biden, kite yo travesse bo Etazini. Diskite ke yo te gen yon ti group ki gen mwen spase 150 moun, ki gen la dal ti moun ak gran moun. Nan denye mwa sa yo, Joe Biden te renforse aproche sekirite fontye ya. Kom imigrasyon vin tounen yon enkyetit prinsipal pa mi vote yo. Donald Trump, yon republiken, adverse Biden nan eleksyon 2024 yo, te kritike administrasyon Biden Harris la pou tèt yo renverse kek politik restriksyon sou fontye ya. Janti Augustin Junior, VOA Creole, Washington. Et puis demain c'est 18 mai, c'est fête drapeau gan pile côté dans diaspora et ap gen en pile activité mais spécialement dans Miami ap gen compa festival et VOA Creole à présent nous connaît tout côté gen gros événement. Eh ben VOA Creole toujours présent dans pays d'Haïti, ça gen une cérémonie k'ap fèt nan villa d'accueil et c'est ça gouvernement dit yo dit ap rassembler en bas drapeau. Donc il y a plusieurs côtés en général qui fait et dans Maryland ap gen yon fête drapeau k'ap fèt tout, c'est un groupe k'ap organisé drapeau m'fietem. Et qu'on a c'est le moment pour n'aller dans HMI là avec Jude Deonsre qui pral di nous ça k'ap passé, ça k'ap fèt. Artiste solo Darlene Desca confirmé dans micro VOA Creole que c'est Haïti que la vive, mais dans moment li bloqué aux États-Unis, mais la profité de présence dans diaspora pour le capable performer et puis tout produire musique. Bon pour l'instant moi là parce que écoutez, pas qu'aucun vol pour mal aucun côté. Donc moi là mais et puis toujours là tout parce que on connaît États-Unis représente un gros point pour nous dans ça qui est la diaspora. Donc tout artiste gagne you know, pas de marché là, donc nous venons honorer contre nous à chaque fois, mais ma vie en Haïti toujours. Maintenant, pendant là, en matière de performance, je m'a douté que grand pile booking, mais en matière de production, ça a pris de grand pile surprise, oui. Année, ça fait 15 ans de carrière, donc c'est ça m'a célébré, année ça. Et donc, là, venir avec un bon bagage qui accompagne 15 ans ça. L'autre nouvelle pour journée aujourd'hui, Dadou Pasquet fait connaître que il gagne une nouvelle musique qui porte le nom Bekate, qui c'est un Afro Beats. Artiste a ajouté qu'il a changé style, il campé en solo, prochain album il campé sur un beat Afro Beats. Son style nouveau, me l'a dit. Mais comme Dadou Pasquet, nous sommes une musique qui est dans moi, aime toujours à chercher l'autre bagaille. Donc, je viens tomber dans un style que généralement le public là pas qu'on aime dans style ça. Mais comme moi-même, je n'ai pas de frontières dans la musique, et surtout avec Timmy Chemio. Donc, je parais avec musique sacrée, les becs à terre. Et que je me surprise, réponse que moi-même, je viens dans mes mounions à soir. Donc, ça me capable de dire, l'album is on the way. A gagné 10 musiques sur l'album, et c'est Afrobeat. C'est un autre route totalement de Dadou Pasquet. Nouvelle toujours dans business musique haïtienne pour journée aujourd'hui, DJ Nicky Mix qui vient plus passé 30 l'année dans business DJ a té dans micro VOA Creole semaine passée. Nous demandé DJ a dans expérience comme DJ dans état Floride, qui jazz avec qui artiste qui puis demandé les la animer soirée privée ou bien public. Ça dépend de semaine, ça dépend de mois. Tout dernièrement c'était Zafem. OK. Zafem font TBC qu'on y a. Maintenant The King. Ali. Ah, mais à dire que, alors, en tant que DJ, le moment où dans le club là, ou bien mariage, loge ou musique, et puis, ou réaliser que tout le monde levé danser, c'est là où on est qui ça qui hit là dans le moment. Ok? Bon, pour le moment qu'on y a là, Ali La Rivière, New Look, a levé mon yo. Ça veut dire que si mal nous fait la mal DJ là qu'on y a là, on va pas courir à New Look avant. Mais, et pas oublier que chaque temps, on dit à sortir un album, autant que les shows dans le moment, tout doit jazz poser. C'est comme ça, bah, c'est ce qui est normal d'ailleurs. Il y a deux façons pour en tant que DJ nous tester public là. Dans le club ou bien dans fête privée, mariage par exemple. Le conseil de musique où là, tout le monde
toute génération levé, jeune kou grand monde, ou dit ah, moun sa mené. Nan moment là, gen Wichel. OK? Gen Beijing. Deux moun sa yo, mon cher, Frisch House, ça dépend musique avec impossible, on prend mais pour le moment Wichel, Beijing, mesdames yo, pas négocier. Pour toute nouvelle sur business musique haïtienne dans l'État Floride, non pas, c'est Jude Ronce, pour VOA Creole, Miami. Bonsoir tout le monde, moi c'est Jacques Lambézère, bon week-end. Et nous dit que, officier Kenya qui est venu là, yo c'est de moun qui déjà mené de bataille concernant les terroristes dans Somalie, ça veut dire yo bay résultat déjà. Et si yo bay résultat déjà, en plus moun attendre que monsieur Sayo capable vinn porter solution bon côté la police, bon côté la meilleure et bon côté population civile qui lui même pral retourner avec question mouvement bois calé. Qui ça captain selon en pile moun pour que yo commence joindre ça relé un petit vent l'espoir dans question insécurité pays qu'on est là. Il y a monde qui dit pas capable encore. Il y a monde qui dit yo bouqué, il y a monde qui dit à bout insécurité al dépassé, insécurité al exagéré, yo senti yo bouqué. Désir, mon frère, moi qu'a dit bon retour parce que et quoi pas tu dois bon mais qu'on aime ça c'est tout bagarre fort mon frère. Comment la qui est? La situation nous compte à raison nous parce que n'a fait effort, nous pas arrêter coucher net fort au moins nous lever pour nous faire travail mon yo. Fort Marisa là tout le monde dit pour dire oh la qualité là. Ya, bon pense n'a fait effort, nous content l'autre fois pour ma qu'on mi ta fois, nous pral parler vérité avec zami internet qui cap chercher qu'on est, qui ça cap fait, qui ça cap dit, qui ça cap quit dans pays d'Haïti parce que c'est presque chaque jour on découvre des situations qui très difficiles et moun pa connaît à qui c'est que doit adresser yo. Insécurité, la police a fait offensive contre bandi et bandi yo même cap porter boue surtout base boy, nous quoi dans dernier jour là des informations bandi yo ta pour qui yo te cap prend base boy là qui dans force nationale Blaise Peterson. D'après Todd Robinson qui est sous-secrétaire bureau international des affaires stupéfiants, et bien, monsieur a fait quoi pour venir mission? 200 premiers soldats ont dû rentrer dans le pays d'Haïti entre 23 et 24. Les Peterson. Est-ce que ça a tout dit réellement vrai que mission a pris 30 dans le pays a pour venir faire travail que vous avez pour faire? Qui c'est accompagner la police, accompagner l'armée d'Haïti pour résoudre le problème de sécurité qui gagne dans le pays. Blaise, m'ri allé à l'aide ou annoncer 80 moun. Oui, regardez, je suis marqué chaque 20 000, et c'est 80. Mais c'est 80 moun qui a déposé et pièce yo. Et ceci dit, bagay la kampe jeune vendredi là, parce que c'était 13 au, c'est du 13 au 17. Et il commence lundi, la bout vendredi là, ou pas m'prenne si va passer à plus que 100. Ça, c'est difficile. Non, c'est très difficile, Blaise Peterson. 80 moun pour premier ministre, 80 moun, oui, qu'elle dépose pièce. En tout cas, petit de Saline, lui a fait quoi qu'il a endossé candidature Fritz Belizère. Ça veut dire, ouais, n'importe qui genre, négociation ou pas négociation, petit de Saline voulait que Fritz Belizère vienne premier ministre, Blaise Peterson. Est-ce que Kounia, il peut pas venir en question juge à parti? Mais clair. Laissez street yo qui choisit moun qui aller en plus moun veut comprendre quel cap li cap une question de juge Jacques Pati. Est-ce que l'ensemble de moun qui en dehors des street yo qui a déposé pièce y a privé passé Blaise Peterson, est-ce qu'il prend temps pour faire étude sur dossier yo et combien de temps va prendre tout parce qu'il va oublier bon, tu comprends non des qui grimace les gars fait là qui ban temps perdu thème à gauche les gars fait là ou imaginons que puisque 80 moun a déposé pièce yo. Et ceci dit, bagarre la campé et je ne vais pas te dire, ça veut dire, ou quand je ne vais mon encore, puisque 100 mon encore déposé pièce, on a combien de temps au prend pour étudier, pour regarder de ces chaque grain de moun sa yo, qui c'est première étape là, pour moi-même, et alors qui c'est une étape yo, parce que première étape c'est à déposer pièce. L'autre étape, c'est étudier dossier moun sa yo, qui va demander un homme de temps encore. Et l'autre étape là, c'est étape de négociation pour dégager majorité 5 sur 7 en dedans conseil là pour connaître qui est dans pile moun sa yo qui d'abord remplit condition, attendez bien, remplit condition en fonction de nom sa yo et troisièmement et qui est sous en négociation que j'estime que qui malléable qui peut négocier deux postes ministériels, deux postes direction avec yo. Et une bagarre qui pigave dans bagarre la décivenesse, c'est que
qui est ensemble de anciens ministres, anciens premiers ministres, anciens sénateurs, ou équipement moun qui t'a agrégé des charges, puis t'a déposé bien sûr non et vite d'accueil là, pas même gain exige sous ça pour t'a connaître est-ce que effectivement moun sa yo rempli toute norme, yo toute condition yo pour t'a venir soit premier ministre pays des Ivennes. Très bien. Et conseil présidentiel là chita avec responsable Bini en dedans pays là, nous voulait parler de Maria Isabel Salvador, yo nan échange et discussion yo al garder ça qui lié avec résolution et 2699 que Conseil sécurité Nations Unies t'a autorisé déploiement et pour mission multinationale là rentrer en dedans pays. La situation nous garantit yo, on est avec Fritz Belizer, monsieur bien placé, c'est pour question négociation dans la majorité que vous parlez avec la personne. Comment ça? C'était même monsieur Sao qui était entendu. Il était déjà après te fin désigné Edgar Leblanc-Fils, il était déjà choisi Fritz Belizer comme premier ministre. Yeah. Parce que Kounia, il pas pratiquement resté dans l'intention quel que soit mon cal déposé, Fritz Belizer qui a passé sur yo, même que dossier pas plus convaincant. Mm-hmm. Parce qu'il vient dans situation, il pas inspiré confiance. Parce que désir monsieur, force monsieur à faire petite Dessaline pour le faire Fritz Belizer comme mon bâtia vin premier ministre. Parce que, pas oublier, moi je suis clair, l'Italie est parti qu'elle voulait mettre au pouvoir. Et à partir des transitions, ça a eu une chance pour faire valoir le pouvoir qu'elle doit chercher. Et après, moi je suis rentré dans ma gala, il vient très puissant. L'a fait alliance ou bien l'a cherché comme allié, aider avec le Joseph. Kounia, est-ce que, tant que j'en saute garder la blesse personne, combien de temps, posez cet après le pour faire étude dossier? À partir de qui ça, vous pouvez arriver convaincre, mais songez, vous paquet ancien ministre qui déposait pièce surtout. Maître Bouinache, qui déposait pièce, il y a vu une premier ministre. OK? Maître Luc Mandelil, qui passait, qui baille service déjà, qui baille bourade déjà, lui décidait, pour au moins, alors c'est des organisations qui choisissent, pour venir baille bourade comme premier ministre. On est en cours, Luc Mandelil, t'as vu une premier ministre, qui Jean, peuple haïtien qui a souffri, je dis, t'as on est comme ça dans la primature de la situation. Désir Benes, mon cher, faut saluer mon FM. Saluer mon nom, t'as demandé pour un papa. Saluer mon nom, t'as demandé pour un FM parce que moi-même, pas de café dans l'émission et aïe, mi journée. La dégage avec Carrefour Vérité, saluer mon nom, bah, on est si capable. Et on va faire ça pour le sujet. Très bien, très bien. Nous allons saluer ensemble de Mounio qui fidèle avec nous. Nous disons merci au monde comme Marie Lozifor, Marie Jasmine, mon sœur qui va j'aime pas là, Elino TV, Jenny Baptiste, Janine Petit Homme, mon sœur c'est mon pas nous yo pas j'aime pas là. Nous saluer Chemise Napoléon qui toujours avec nous dit merci en pile. Nous saluer Mona Orselin, merci en pile pour écoute pour fidélité. Nous saluer Alfares Dossou qui toujours avec nous tout. Nous dit merci Jean-Robert Latou, Nego Kai qui toujours avec nous dans émission ci là. Blaise Tesson, Mimo Jean-Charles qui toujours avec nous dit merci en pile et Marie Jasmine Takondil, c'est monde qui toujours avec nous qui pas jamais la gaine. Nous saluer Lina Pierre. Participation nous dit merci en pile pour écouter pour fidélité. Oscar Odius, merci en pile Oscar parce que tu fais voyage avec nous. Et puis les users qui en pile Junior Pierre, merci en pile Junior parce que ou toujours voyager avec nous dans quatre émissions nous comptons chaque fois nous faire écouter nous avec quitter commentaire pour dire qui chaque émission nous arrive sur Dominique Gérard, merci en pile Dominique Gérard pour écouter pour fidélité. Nous comptons parce que ou fait route là avec nous dans le cadre émission. Nous saluons pour la Labre. Merci pour la Labre. Nous comptons pile parce que ou avec nous dans le cadre émission. Et chaque fois qu'il nous fait bouger, nous voyons que vous quittez un commentaire, ça fait nous bien pile. Nous saluons Villers Fils. Merci Villers Fils Aimé, pardon. Villers Fils Aimé. Merci Villers. Ça fait nous plaisir. Nous comptons parce que ou là avec nous. Nobert Lui. Merci Nobert Lui pour écouter, pour fidélité avec les sacs nouvelles, Blaise Info, Point Nouvelle, Vente Calbas Info, Racine Nouvelle Haïti, ou toujours entendre pour faire la route avec nous. Ça fait nous grand plaisir. Les nous écoutez nous ouais que vous quittez commentaire dans quatre émissions que nous présenter et bon ici y a ma prière vous suivre avec salutation toujours pour nous dire mon Dieu merci en pile pour écouter pour fidélité et Marie nous dit c'est mon pas nous qui toujours avec nous dit merci en pile pour écouter lui merci pour fidélité. Nous saluons Lickner des humains, merci Lickner des humains, ça fait nous plaisir chaque fois nous garder que nous ouais que vous faites là où d'accord nous saluons
Jean-David et Morissette qui toujours avec nous. Merci Jean-David, nous comptons pour écouter, pour fidélité. Roselaine Metelis, merci pour écouter, merci pour fidélité. Colson Jean, merci parce que toujours voyager avec nous, ça fait nous plaisir. Franzi Charles, merci pour écouter, pour fidélité. Et nous saluer Laetitia Mike qui toujours avec nous, nous dit merci en pile parce qu'il fait la route avec nous. Et nous saluer Raymond Lafleur qui toujours voyager avec nous, Immaculé Lafleur tout. Merci pour écouter, merci pour fidélité. Marvin Charles, merci parce que ou toujours voyager avec nous dans le cadre émissionnaire. Samuel Moléon, merci pour écouter, merci pour fidélité. Nous comptons pile parce que ou toujours avec nous. Nous saluer et Charlotte Luzom, merci pile Charlotte Luzom pour écouter, pour fidélité avec Blaise Info pour une nouvelle Vat Calbas Info Racine Nouvelle Haïti. Nous comptons là à coup pour présenter et Carrefour Vérité à Martin Blaise Fesson. Désir et m'a tout dit mon ça si nous sorti voir Désir va finir en forme, ça veut dire Désir après table tical vertical mais et comment la boumen. Ne va rentrer d'emblée dans nos informations. MMSS mission multinationale soutien sécurité à Haïti. J'ai dit hein gagner premier groupe dans cap privé parce que m'a oublié moi au total 5000 comme ça. Au total mission t'a de 5000 officiers soldats mélangés là dans différents pays. Mais après un premier groupe qui a venu, c'est à 200 et un petit officier. Vous dites, monsieur, force élite kenyan. Vous en avez dit? C'est unité de combat. Une unité de combat, une unité de bataille et une unité qui consacre les goumets. Premier 200 qui a venu. Et pas oublier que c'est au total 1000 officiers kenyans. Qui t'a dû faire partie et mission ça. Mais comme c'est un premier tranche 200 qui a venu, après été 800, si je ne me menti. Et si je répète, président William Ruto, président pays Kenya, qu'il t'a dit. Mais premier 200 officiers Kenya qui a venu là, yo, yo c'est de madré, yo c'est de professionnel, et ça fait nous, yo dit, force élite kenyan. Force élite kenyane. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire que, dans le moment que nous avons venu là, nous disons que, dans le palmarès, dans le passé, nous avons dit, c'est bien, dans le palmarès, dans le passé, nous avons dit, nous jamais mené bataille déjà. Nous dit clairement que, unité, force d'élite kenyane qui est venu là, il était déjà goumé, était déjà démantelé. Yon groupe terroriste dans le pays Somali et qui était débarqué et qui était contrôlé et qui était partagé frontière dans le bloc ça. C'est-à-dire, les cap vini là, yo, c'est vrai, yon pas qu'on Haïti vraiment, yon pas qu'on réalité haïtien, mais cette histoire mené bata koke son bandit terroriste, yon kon ça. Là, pas une question kon langue la donne. Là, il y a une question de compte payé, c'est que ça. Parce que pas oublier que soldat, ou bien, mission qui a fini là, il y a qui s'en relé, policier qui a accompagné, il y a gagné, monsieur la mère qui a accompagné, il y a gagné de l'autre civil dans la police qui a accompagné. Ça veut dire, il n'y a pas mener des opérations, il n'y a pas faire des interventions dans la zone pour compte. Il y a gagné de haïtiens qui a accompagné. OK, il y a bien de haïtiens qui accompagné yo. Même si ça a été fait avec ministre. C'est ça que faut ouais je dis hein. Gien en plus plein ça qu'a fait bon côté bandi vivant sans yo. Barbecue dou, il t'a saisi ouais si que vivre ensemble t'a quitté que militaire ça yo rentrer dans ghetto yo, altuer moun en ghetto yo et puis va ta réagir. Di barbecue qui a senti que sa cap vin jouen yo nan fin mois de mai cap vini là et pendant tout restant cap vini là ken pa konn pou konbe ani encore yo senti que sa cap vin jouen yo et pa piti sa cap vin jouen yo a gros nek en pile et nan sa sal déjà a mandé a sensibiliser a motiver équipe bandi vivant ensemble par elio que donc je dis là. Ça que me le ken comprenne. Je dis là, ça que me le ken gade et que nous analyser et que nous comprenne très bien ça mettre nous yo.
c'est que j'en te dis là, vivant sans paniquer, nek yo panike, mais yo oublie tout, si valait fois que yo panike, l'autre monde en Haïti, valait fois que yo rien que l'autre famille a souffri, valait que, voilà, plusieurs fois que yo rien que, je dis, hein,